Et bien, heureusement, je me suis super. J'espère que vous avez la pêche, la patate qui me suivante, ce que ce se passe. Aujourd'hui, je vous retrouve sur tout, je crois. Qu'est-ce qu'on va faire, vraiment? Vraiment, on va aller à notre maison. Donc maison de Gérald. Ah oui, là je suis allé dormir dans le lit, puis j'ai des effets. Ah oui, mais au grand maître, ouais. Donc on va améliorer la maiden. Donc je sais pas, ça va coûter combien par contre cette fois-ci. En quoi puis-je vous être utile, monsieur? Je commence à me sentir chez moi ici. Qu'en dites-vous? Pas sans... On continue les travaux. Comme vous voudrez, monsieur. Voulez-vous vous occuper de la maison ou du jardin cette fois? Je commence à prendre goût à cette histoire de rénovation. J'ai bien envie de continuer. S'il est entendu que nous conserverons le style beauclairois et à la condition que vous ne songiez point à creuser de grands trous pour y entreposer des carcasses de monstres ou y cacher des trésors maudits... Eh bien, dans ce cas... Hi. Hi. Excellente idée, monsieur. Où ceci? Vous connaissez Ablette, ma jument. Ous. Elle en fait voir des vers. Où ceci? Elle mérite tout autant son petit nid douillet. Non, j'aime... Table, mais bien sûr, c'est tout à votre honneur, monsieur. Nous pouvons commencer les travaux tout de suite. Mais j'attends pas mon King tournoi. Je vous laisse carte blanche. Comptez sur moi, monsieur. Les travaux seront terminés dans deux jours environ. Désirez-vous autre chose, monsieur? Vous savez, il m'arrive d'avoir à préparer une potion et j'ai pas des herbes dont j'ai besoin. Non, dites pas plus, monsieur. Le jardin de Ouais, il est pour toi. 2000 encore, bah, c'est pas cher. N'imaginez pas le temps que je perds à chercher des herbes. Monsieur. Je suis que l'humble instrument de votre volonté. Les premières graines seront plantées dans deux jours, au plus tard. Désirez-vous autre chose, monsieur? J'ai un peu d'argent à placer. Je voudrais rendre la maison un peu plus agréable à vivre. Maintenant que le plus gros des travaux est derrière nous, fuck, vous pourriez réfléchir à l'achat d'un nouveau lit ou en America, fuck yeah. D'armes. Il pue la merde. Fuck yeah. Merely, ah ouais, c'est pas le temps. Merely. Toujours rêvé dans le. Ouais. Il y a des lits dans The Witcher. Des judicieuses, monsieur. Bah oui. Oh. C'est dans ma maison. La qualité du sommeil est primordiale. Bah, je peux rénover là. Ça c'est dans, juste dans le DLC. Ça c'est des cellules, tu peux faire ta propre maison. C'est le fun. 1000$, pas cher. Vous pouvez passer la commande. Pas cher. C'est là qu'il disait que la dernière fois. Mais là, c'est rien. En effet, monsieur, en effet. Pantoute. Sera installé dans votre chambre. Monsieur qui dit que l'argent c'était dur à moi, moi aussi. Avez-vous besoin d'autre chose? Ben, finalement non. Finalement non.
Ben là, j'ai comme. Ben là, j'ai plus 100 000, j'ai 100 000 il y a pas longtemps, mais le Trouverai sujet. de nouveaux ateliers d'armes pour exposer Ben, mes si je vends nouvelles mes créations, stocks que j'ai en ce j'aurai un moment, je vais me chantier faire entier beaucoup capable de d'argent, faire des là. merveilles. Les stocks. Si vous le souhaitez, je C'est des pourrais. fois Ben, qu'il mettons, j'ai 10 épées restitue de dégueulasses l'argent à qu'il vous vendre. Non, 500, Parfait. même pas cher. Commandez-en deux. Bien sûr, monsieur, tout de suite. Aussi. J'estime qu'ils seront là demain ou plus tard. Oh man, il D'ailleurs, pue pas la du tout qui a raie. commandé. Il pue! Fireball. Les unes que les autres. J'aimerais les exposer ici, si possible. Bonne idée. Cela ajouterait une touche de caractère à votre demeure. Mais qui t'es où? Je commande les supports. Ouais. 500 encore, allez. Ah, téléphone. Cela va sans dire, monsieur. Rien de pire qu'une armure Man. Vous pourrez exposer les plus belles pièces dès demain. Soyez-en sûr. Avez-vous besoin d'autre chose, monsieur? Je voudrais faire quelque oh, chose pour putain, sa mère. Je n'attends personne, mais... Je comprends tout à fait, monsieur. Un hôte respectable se doit de disposer d'une chambre d'amis bien pourvue. Et si vous receviez une visite impromptue? Boom, bitch, get out of the way. Get out of the way. Allez. Get out of the way. Voilà qui est Boom, bitch, get out of the way. Get out of the way, bitch, get out of the way. Dans deux jours. Avez-vous besoin d'autre chose, monsieur? Bon, en plus, ça c'est tout. It's my trouble. Oh, fils de Croquerelle. Nos chevaliers errants sont si héroïques. Voilà, save! Voilà, save! Il est pour toi. Ah, il me reste 80 000 $, ouais. On a encore assez, là. Là, j'ai pas beaucoup, là. L'argent, c'est full dur à attraper dans The Witcher 3. Bah, au début, oui, mais après, non. Oh, tabarnak! Où c'est? Tiens, dégage-toi. Ça l'est. Mais qu'est-ce que tu as? Ah, ça a tout rénové là? Ah, succès, c'est quoi? Maître d'ouvrage. Un autre succès. Mais gros, je pue la merde. What the fuck? Ah, j'ai tout rénové, je pense. Non, ok. Oh, le PD. Mais pourquoi je pue la merde? Fais des fucking bons tricks, d'habitude. Voilà, il est pour toi. Les rénovations se passent bien. Tabarnak. Je vous informe que les travaux sont terminés. Vous pouvez désormais vous consacrer sans réserve au plaisir du vignoble. Merde. Monsieur, mais je me disais, maintenant que les travaux de Corvillanco sont terminés et que le domaine est plus beau que jamais, nous pourrions peut-être célébrer ce moment. Ma foi, pourquoi pas? Oh, l'ordre dans la maison.
plaisir. Seeker animé. Millésime 1250. C'est seulement quand la barbe du baron Marefkin s'est embrasée que le public a réalisé ce qui se passait et ils ont fini par éteindre les flammes. Oh, super Crypto Sam. Marquer les mémoires. What is this? En effet, monsieur. À cet égard, fuck that shit, I'm out. Oh, fuck that shit, I'm out. Wow, wow, wow. Fuck. La situation du vignoble. Eh ben. Pourra-t-on produire des céréales? Hélas, pas. Oh, ils sentent le sac. Un champignon a détruit les pieds de vigne à l'automne dernier. Le baron Rossel a planté. N'est-il point, monsieur? Fuck that shit, I'm out. Ben non. Ben non. Ça alors. Oh là. Gros. Oh, je cache ligne. Ça alors, un sorcelier. Un tabmosseur. C'est pas wow. Can't touch this, oh fuck. What a save! Oh, crazy! C'est autre chose à rénover. Place ça. Oi, 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 oi! Big burger! My big burger, girl, this is a burger, quick burger, girl, burger man, burger win, burger barbecue. Bon, faut trouver un GS, ok. Mais grosse merde. Ah, c'est où? Oh, ok. Is Sparta. Oh, on est tout à la maison. C'est joli cette air. Allez. Dispersez-vous. Exposition du monde original de Tobris est fermée jusqu'à nouvel ordre. Ouf.
pue la merde. Ok, il y a B dans un funérail, les gars, d'accord. Régis! Bon sang, c'est fermé. Il n'y a pourtant pas d'erreur. C'est mais grosse merde! Il doit y avoir un autre moyen d'entrer. Voilà! Ah, il est cool. Ouais, c'est quoi ces affaires là? J'ai jamais vu ça. Ah, c'est des plantes carnivores. Voilà. Équinope. Oh, ok. Pas où je peux rentrer. Ah là, ok. Des œufs, ok. Allez, on brûle ça, tiens. Quelle puanteur. Génial. Quoi c'est? Une voix encore une voûte, c'est pas d'œuf.
Et me voici au cimetière avec un vampire. Quel autre cliché me réservez-vous? Rien ne me vient à l'esprit, désolé. Vous auriez pu laisser la porte ouverte? Et ma vie privée? J'y tiens énormément. Je n'ai pas envie que des étrangers y pénètrent. Et puis, je savais que vous trouveriez un moyen d'entrer. Pas faux. Je dois retrouver votre ami. J'espère que vous accepterez de m'aider. Je ferai de mon mieux. Toutefois, ce que vous voulez ou devez importe peu. Ce qui compte, c'est ce que veut Detlaff. S'il n'a pas envie qu'on le trouve, vous ne lui mettrez jamais la main dessus. Point final. Il doit pourtant y avoir un moyen. Un vampire peut échapper aux détections sensorielles, et aucune magie divinatoire n'a de prise sur nous. Un mégascope ultra précis ne donnerait rien. Et ça, c'est utile? Où l'avez-vous trouvé? Une victime de la bête a été trouvée près de la rivière. Le corps était taillé en pièces. Trois des morceaux étaient des mains. Mais la main à l'anneau se détachait du lot. Une Brooks s'y est intéressée. Aucun doute, c'est la main de Detlaff. Elle fera parfaitement l'affaire. Cette main, que comptez-vous en faire? Connaissez-vous la théorie de Covinarius sur la mémoire des tissus? Je crois me souvenir. J'ai lu Alchemia Oblitera. Il en existe un exemplaire en très mauvais état à Kermorren. Sauf erreur, Covinarius n'a jamais réussi à étayer sa théorie. Si, mais il n'a pas publié ses résultats. Nous correspondions, voyez-vous, et nous sommes liés d'amitié. C'est ainsi que je sais qu'il a mené ses recherches à bien et accompli les premiers tests. Sans entrer dans des détails compliqués, il est possible d'utiliser n'importe quel fragment pour reproduire ce qu'a vécu un corps entier. Comment ça marche? Il faut un équipement spécial? Nous devons préparer une décoction à laquelle Covinarius a donné un nom poétique. Résonant. Celui qui la boit entre dans une transe similaire à celle que génèrent les narcotiques. Elle provoque des visions d'événements liés aux émotions fortes du possesseur des tissus, comme si l'on rêvait la vie d'autrui par fragments. Il existe donc une chance de voir ce que faisait Detlaff quand il a perdu sa main? Absolument. J'espère en outre que la résonance nous permettra de deviner où il se cache. Très étonnant, cet anneau. Fait d'un métal que je n'ai jamais vu. Quant à l'ornementation... Il vient de chez nous, du monde où nous vivions avant la conjonction. Il m'a appartenu. Je le tenais d'un ami cher. Qualifions-le d'humaniste. Il nous voyait, nous autres vampires, comme des invités devant le respect à leurs hôtes, à savoir les humains et les races anciennes. Le respect, vous dites ? C'est-à-dire sans nous traiter comme du bétail? Précisément. Raison pour laquelle j'ai offert à mon tour l'anneau à Detlaff, pour lui rappeler les idéaux de mon vieil ami. Pourquoi ne pas invoquer Detlaff? Entre vampires supérieurs, il doit y avoir un moyen. En toute honnêteté, c'est en effet une solution. Mais croyez-moi quand je vous dis qu'il faut la garder comme dernier ressort. Tout dernier. Dernier ressort? Pourquoi ça? Un être est en mesure d'invoquer Detlaff. Il possède l'autorité et même le pouvoir pour le forcer à apparaître où il le souhaite. Cependant, contacter cet être reviendrait à marcher sur un fil au-dessus d'un gouffre rempli de lave en fusion. Cet exercice serait aussi périlleux pour moi que pour vous, et je ne m'y risquerais pas. Je vous en prie, faisons à ma façon. Ce sera plus simple et plus rapide. Covinarius a consacré sa vie à tenter de prouver sa théorie.
Du coup, j'imagine que la résonance est ardue à fabriquer. En effet. Outre les tissus de Detlaff, il nous faut un puissant stimulant du lobe occipital. En clair, un poison assez fort pour provoquer les visions. J'ai bien quelques ingrédients en tête. Manque de bol, ils sont tous rarissimes. Il y a les glandes de fée Mamoun, mais les plus proches vivent à Vizima. La salive de nécrophage tachetée. L'espèce s'est éteinte depuis plus d'un siècle. Des yeux de cobalt à la rigueur. C'est hélas une espèce intelligente, je me vois mal en énucléaire. Étant donné que nous manquons de temps pour partir en chasse, permettez-moi de solliciter de l'aide. C'est quoi ça? Un corbeau. Très commun sous cette latitude et très intelligent. Je lui ai demandé de se mettre en quête des créatures mentionnées avec ses frères. Ils en trouveront peut-être une à proximité. Je gage qu'un vol de corbeau peut repérer une créature précise plus vite qu'un sorceleur solitaire, malgré tout le respect que je dois à vos dons, mon ami. Cela étant, il risque de mettre un bon moment à revenir. Une tournée de Mandragore? Pas trop d'humeur à ingurgiter vos mixtures. Surtout vu la façon dont elles font dire des choses qu'on aimerait garder pour soi. Je ne suis pas prêt d'oublier. Geralt de Rive, auriez-vous l'âme coupable? Seuls ceux qui ont honte de la vérité cherchent à la taire. Sans façon, merci. J'ai justement besoin d'un somme. L'occasion est trop belle. Comme les vampires. Êtes-vous sûr qu'on ne vous administre pas quelques-uns de nos gènes pendant l'épreuve des herbes? Pas à ma connaissance. Alors, qu'avez-vous pour moi? Vous aviez vu juste. Ni kobold, ni fée Mamoun a des lieux à la ronde. J'en étais sûr. Laissez-moi finir. Il y a néanmoins ce nécrophage tacheté qui hante un manoir à l'abandon dans le bois de Caroberta. Impossible. Les miens ont aussi le dernier nécrophage tacheté avant ma naissance. Il semble que vous devriez réviser vos connaissances sur les nécrophages tachetés, car on dirait que celui-ci a résisté aux assauts de vos confrères. Je connais la demeure qu'il hante d'après une rumeur locale. On dit que l'endroit est maudit. C'est peut-être ce qui a permis au nécrophage d'y couler des jours paisibles. Que savez-vous sur cette malédiction? Rien de précis, hélas. Je n'attache guère d'importance à ce genre de choses. J'en ai entendu parler incidemment. Rien de plus. Allons. Fouillez votre mémoire. Le moindre détail peut m'aider. Il y a un lien, je crois, avec la faim. Ou... avec l'avidité, rapacité. Quelqu'un a été puni de quelque chose. Oui, c'est l'idée générale avec les malédictions. Désolé, Geralt. J'essaie de ne pas m'encombrer l'esprit avec toutes les balivernes sur les histoires que j'entends. Qu'avez-vous en tête? Le survivant d'une espèce que l'on croyait éteinte et une malédiction au même endroit. Pure coïncidence ou pas? Ah, la curiosité professionnelle. Je n'ai rien contre le fait de creuser plus avant cette histoire, mais gardez en tête qu'il nous faut la salive de ce nécrophage, impérativement. Les nécrophages vivent rarement dans les bois, et encore moins dans les maisons, fussent-elles à l'abandon. Ils hantent les recoins sauvages, les anciens cimetières. Où voulez-vous en venir?
Je doute qu'il s'agisse d'un nécrophage tacheté. L'assistant à plumes a dû faire erreur. J'en doute fort. Les corbeaux sont supérieurement intelligents, dotés de facultés d'observation hors du commun. Et qu'ont-ils observé, au juste ? Les environs du domaine sont jonchés de... cuillères. De cuillères ? Épargnez-moi le sourire narquois. Je ne fais que rapporter un fait. Le nécrophage tacheté les thésaurise-t-il ? À moins que les cuillères aient un lien avec la malédiction. D'accord. Commencez à préparer la décoction pendant que je pars chercher la salive du nécrophage. Il s'en sert dans ses brouets. Pensez-vous réellement qu'il va vous en vendre ? Au pire, je reviendrai avec ses glandes salivaires. Elles devraient faire l'affaire. Un instant. Je vous ai imaginé priant le nécrophage de cracher dans un tube. Perspective amusante. Mais en effet, les glandes salivaires feront l'affaire. Très bien. À plus tard. Oui, à plus tard. Je vais compulser quelques ouvrages. Des ouvrages ? Vous croyez que vous alliez préparer la décoction ? Il nous faut un dernier ingrédient qu'il pourrait être délicat de se procurer, hélas. J'espère découvrir une alternative adéquate. D'accord. Bonne chance. Vous aussi, mon ami. C'est une quoi ? Nécrophage. Igni, d'accord. Qu'est-ce que c'était ? Quête. Quoi ce? What? Ok, c'est comme des what? Jamais plus tu ne souhaiteras croiser. Okay, mais comment on fait pour retourner
En émission. C'est ça, la carte. C'est quoi la carte? Ben, il y a comme une carte là, à un moment donné, là, j'ai checké hier. Là, où tu spawns, là, il y a comme une carte là, puis là, tu peux choisir ta mission. Un véritable acharnement. Régis a parlé d'une malédiction. Ok, mais nous, on est rendu à quelle? Simple coïncidence. Chapitre 5, je pense. Ça c'est un. Quel bazar. Il va falloir bien chercher. Je dois réussir à prélever de la salive du nécrophage. Ce nécrophage est obsédé. Un vrai collectionneur. Ah oui, on a le chapitre 5. Sur la piste de l'arche. La pauvre. Elle a compris qu'elle devenait un monstre qu'elle a consigné dans son journal. Quelqu'un n'a pas supporté de voir son propre reflet. Le monstre aurait écrit le journal. Aucune cuillerée ne te rassasira. La créature qui vit ici prend l'expression qui est d'être. Une cuillère. Nul ne dînera à ta table. Aucune cuillerée ne te rassasira. Jamais plus tu ne souhaiteras croiser ton reflet dans un miroir. Des squelettes qui n'ont pas dû venir tout seuls. Existe-t-il un lien avec la malédiction? Nul ne dînera à ta table. Bastien. Bras droit sectionné, dents cassées. On a tenté de le faire manger de force. Coup brisé, marque sur la paroi latérale du crâne. On lui a donné un coup sur la tête avec un objet lourd. Aucune trace de croc ou de griffe. La mort doit être due à une asphyxie. Un nom de femme gravé sur cette cuillère en bois. Oh, une cuillère ordinaire. Peut-être un peu vieille. Notre cuillère. Tout aussi normal que la dernière. On dirait vraiment le repère d'un nécrophage. Un rien atypique cependant. Mais dans son satané chaudron. Ce nécrophage est obsédé. Un vrai collectionneur. Années pour les rassembler. Se prépare à un genre de festin. Le chaudron est vide. Et Régis a besoin d'un prélèvement du bouet. Il devra faire sans. Le voilà condamné à trouver une planque pour attendre les glands sévères et leurs porteurs. Trouvons un poste de surveillance. La table est mise. La bête qui vit ici se prépare à un genre de festin.
Ouais, c'est bien bizarre cette affaire là. De faire venir des gens, de les faire asseoir à table avec toi, c'est ça? Très bien, à mon tour d'être ton invité. Je me plaindrai. Avec une cuillère. Non, ça ne donnera rien. D'obstine à chercher une cuillère capable de te nourrir, il n'existe pas. Il va falloir manger sans ustensiles. Allons voir ce qui est devenu le monstre. Vu la puanteur, il sera facile à trouver. Doudou, je ne vous veux aucun mal. Manger. Je dois manger. Je vais vous mettre à l'abri.
Alors, je l'ai prise par la main et je l'ai amenée ici. Je ne voyais pas quoi faire d'autre. Vous avez bien fait, monsieur. Elle sera en sécurité ici. Ne vous inquiétez point, monsieur. Je m'occupe de tout. Elle est entre de bonnes mains ici. Elle sera bientôt rétablie. Ça pourrait prendre un moment. Quand je l'ai trouvée, elle n'avait rien mangé depuis plus d'un siècle. C'est affreux. Que lui est-il arrivé ? Elle m'a raconté son histoire en chemin. Elle s'appelle Marlène. C'était autrefois une femme belle et fière, héritière du domaine Trastamara. Un soir, alors qu'elle donnait une réception pour ses amis, un mendiant se présenta à sa porte, un bol et une cuillère à la main. L'homme s'assit devant la maison et attendit. Je connais cette coutume. Un ancien droit d'hospitalité oblige l'hôte à fournir le pain et le vin à un tel invité. Celui qui néglige cette tradition et laisse le convive repartir l'estomac vide s'expose à de grands malheurs. Et Marlène n'avait que faire des vieilles coutumes. Elle chassa l'homme en clamant haut et fort qu'elle préférait donner les restes de sa table à ses chiens plutôt qu'aux mendiants. Celui-ci cassa alors sa cuillère et lui lança une malédiction. Elle qui était si belle, plus jamais elle n'oserait se regarder dans un miroir. Elle qui aimait tant les fêtes, plus jamais elle ne trouverait quelqu'un pour s'asseoir à sa table. Et puisqu'elle lui avait refusé jusqu'aux miettes de sa table, il jura qu'aucune cuillère en ce bas monde ne pourrait assouvir sa faim. Une cruelle punition. Je gage que lever la malédiction n'a point été simple. Cela n'a plus d'importance à présent. Tout ce qui compte, c'est la santé de Marlène. Bien sûr, monsieur. Comptez sur moi. Désolé pour tout à l'heure. Je n'avais pas le temps de vous répondre à propos de notre invité. Pauvre créature. Impossible de poser le regard sur elle sans se demander ce qui a pu lui valoir une pareille infortune. Elle s'appelle Marlène. C'était autrefois une femme belle et fière, héritière du domaine Trastamara. Un soir, alors qu'elle donnait une réception pour ses amis, un mendiant se présenta à sa porte, un bol et une cuillère à la main. L'homme s'assit devant la maison. Je connais cette coutume. Et Marlène n'avait... Celui-ci cassa, elle qui aimait tant les... Et puisqu'elle lui avait... Une cruelle punition. Je gage que lever la malédiction n'a point été simple. Une malédiction a toujours un sens caché. Pour la comprendre, il faut en saisir l'ironie. Pendant plusieurs décennies, Marlène a cherché à lever sa malédiction. Transformée en nécrophage, elle volait des cuillères et tentait d'attirer des gens à sa table. En vain. Que fallait-il faire ? Pour lever la malédiction, quelqu'un devait s'asseoir et partager un repas avec elle de son propre gré, sans utiliser de cuillère, et l'obliger à contempler son reflet. C'est tout ? Rien de plus ? Les solutions les plus simples sont parfois les moins évidentes. Et puis, ce n'est pas si simple pour un nécrophage d'inviter les vivants à sa table. Oui, sans doute. Heureusement, elle est tirée d'affaire. Ne vous inquiétez point. Elle est entre de bonnes mains ici. Vous savez jouer au Gwent, Barnabas ? Eh bien, sans me vanter, monsieur, j'étais jadis un joueur redoutable. Hélas, c'était il y a fort longtemps. Je ne joue plus guère aujourd'hui, mais je possède une très belle collection. Intéressant. Voudriez-vous me la montrer ? Avec plaisir, monsieur, mais seulement pendant une partie. Que diriez-vous d'une petite manche ? Allez, go. Que le meilleur gagne. Souhaitez-vous affronter une faction en particulier, monsieur ? Pas vraiment. Je vous laisse le choix. Allez, on commence. Ah, ok. Moi, je joue pas monstre. Tiens, genre pigeon encore.
Ah, il passe, allez. Si. Je repige. Voilà, je l'ai battu. Belle victoire, monsieur. Bravo. Une autre partie, peut-être ? Plus tard, peut-être. J'ai autre chose à faire. Comme vous voudrez, monsieur. Merci. Le devoir m'appelle à nouveau. À bientôt. Oh, merci. Oh, c'est si bon. Ah, délicieux. Oh, quel délice. Les femmes et les côtelettes, on les bat. Plus elles sont. Bon, là, j'ai pas qu'il est pas bon rapport. Ah, c'est bon. Vous pensez que la main de votre ami fera un bon bouillon ? Vous avez aiguisé votre sens de l'humour. Mais nous ne sommes pas les cannibales, Geralt. J'ai pris un fragment de tissu de la main. Cela suffira pour préparer de la résonance. Et qu'avez-vous fait du reste ? Je l'ai incinéré comme l'exige notre code. Un corbeau m'a appris que vous avez l'ingrédient nécessaire. Pratique. Vous faites souvent appel à ces créatures ? J'essaie de ne pas en abuser.
mais elles peuvent se montrer si utiles. Comme à l'instant, quand je voulais simplement m'assurer de pouvoir arriver à temps en cas de problème. Je m'en sortais très bien, mais merci quand même. La préparation de la résonance, ça va prendre encore longtemps. Vous avez aussi mentionné un dernier ingrédient. Je peux en savoir plus? C'est ce point qui risque d'être épineux. Pour invoquer les souvenirs de quelqu'un avec la décoction, il faut que la solution contienne le sang d'un autre spécimen de la même espèce. Je ne vois aucun problème. Je connais justement un vampire supérieur qui devrait accepter de m'aider. N'est-ce pas, Régis? Ce n'est pas aussi simple, je le crois. En votre absence, je me suis efforcé de trouver un substitut. Mais il n'en existe aucun, hélas. Je ne comprends pas bien le problème. On ne peut pas simplement prélever un peu de votre sang. Le sang doit être dans un état d'agitation. Comme vous le savez sûrement, les vampires supérieurs peuvent modifier leur enveloppe corporelle. Quand notre chair change, la composition chimique de notre sang aussi. Pour faire simple, je vais devoir me plonger dans un violent état d'excitation psychokinétique. Ce qui veut dire folie et rage. Et cela va être extrêmement dangereux. Dangereux? Pourquoi? Vous resterez vous-même, non? Certes, mais je serai très agité dans un état de fureur. Vous savez bien que la fureur ne se contrôle pas. Si vous avez déjà vu un vampire enragé, vous savez très bien que toute personne près de lui court un grave danger. Comment va-t-on gérer ça? Parce que je préférerais que vous ne me sautiez pas dessus toute griffe dehors. Alors nous sommes deux. Enfin, ne vous en faites pas. J'y ai bien réfléchi. Je vous expliquerai tout bientôt. Très bien. Que voulez-vous faire? Nous allons nous rendre à Techamutna, un ancien domaine vampire. Nous y trouverons des cages suspendues en l'air. Je m'enfermerai dans l'une d'elles et vous attirerez des bêtes. Des bêtes que vous tuerez ensuite. Le sang devrait couler à profusion. S'il est assez abondant, son odeur me rendra complètement fou. Techamutna, vous pouvez m'en parler? C'est un lieu de tourment, une chambre de torture. Il y a longtemps, peu après notre arrivée dans ce monde, l'un des nôtres, Kagmar, est devenu si avide de sang humain qu'il pouvait vider un village entier en une nuit. Cela a causé des ennuis à toute notre espèce. Les gens n'ont plus supporté de vivre constamment dans la peur. Ils ont commencé à nous chasser, à acquérir l'aide de mages et de sorceleurs pour nous traquer. Et après, ce n'est pas comme s'ils avaient pu vous tuer. Non, mais ils nous insupportaient. Excusez la comparaison, mais... Oh, sérieux? Apprécieriez-vous que des moustiques vous tournent autour de la tête? Quoi qu'il en soit, les autres vampires ont décidé d'agir en capturant et en punissant Kagmar. Une chambre de torture a alors été préparée dans les donjons de Techamutna. On y a déposé une cage composée d'un alliage spécial d'argent, de dalvinite et d'acier de météorite. Kagmar a été capturé et enfermé dans la cage. Il y est demeuré plus de 2 siècles, pris de fureur répétée, sans jamais pouvoir s'échapper. Je sais donc que la cage résistera à la fureur dans laquelle il faudra me plonger. Notre petite expédition s'annonce dangereuse. Je ferai mieux de me préparer. Je comprends parfaitement. Prévenez-moi quand vous serez prêt à partir.
utiliser l'œil de Néaleni. Bon les mecs, qu'est-ce que ça va être pour cette vidéo? Donc prochaine fois, on va continuer. Ah non, prochaine fois, je pense qu'on va faire l'affaire. Mais attends, je le trouve. Bon, je sais plus c'est laquelle là, mais... Ah c'est ça, le laboratoire de l'étrange, dans le fond, c'est ça qui permet de débloquer d'autres... D'autres, c'est ça, les mutations de sorceleurs et tout, là, donc on fera ça. Donc, on continuera pas à quête principale. Donc là, moi, de mon côté, je vais aller... Je vais faire un peu de quête, là. Puis un peu de points, peu importe. Donc, c'est ça. Donc c'est une zone, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Ciao.